Bonjour, j'espère que tout baigne pour vous. Aujourd'hui, on attaque le deuxième morceau de mes pellicules du Maroc. J'ai lancé un format dans lequel je vous fais découvrir en même temps que moi ce que j'ai photographié pendant mes voyages en Argentique. Et là, c'est l'épisode 2 du Maroc. Dans le premier épisode, je vous emmenais à Casablanca et à Marrakech. On a découvert 7 pellicules ensemble. Il y avait des choses très cool, il y en avait d'autres moins. Mais en tout cas, c'était super intéressant et j'adore cette sensation de découvrir ce que tu as photographié pendant ton voyage. Il y a plein de photos que j'avais oubliées. Et ça me fait trop du bien de les revoir et de voir qu'il y a des bangers, ok? Les bangers, c'est quoi? C'est des photos où voilà, c'est... D'ailleurs, est-ce qu'on va avoir des bangers aujourd'hui? N'hésitez pas à ouvrir vos pronos dans les commentaires. Ne traînons pas plus, je te propose qu'on attaque avec la première pellicule. On a quand même 8 à checker, ça fait pas mal de films. Et on attaque la première pellicule sans plus tarder, c'est la 4190. Première photo, attention. On est de retour à Casablanca, ok. Donc toute la chronologie des pellicules qu'on découvre est absolument à côté de la plaque. J'avais essayé de mettre des petits numéros pour mon labo, mais je pense que ça a été galère à suivre. Je le préciserai, j'insisterai encore plus la prochaine fois pour qu'on ait vraiment les photos dans l'ordre chronologique, parce que là on fait, à la base c'était Casablanca, Marrakech, là on revient à Casablanca. Normalement c'est pas comme ça. Mais c'est pas grave, c'est comme ça on voyage un peu partout au Maroc. Dans un seul et même morceau de vidéo. Il faut toujours voir le côté positif des choses. Voilà la mosquée de Casablanca qui était incroyable. C'est la première photo, on la félicite, sympa, mais ça manque d'un truc, tu vois. Genre un palmier, par exemple. Voilà, je dis ça comme ça. Et ça rend très très bien, c'est très graphique, très beau, j'aime beaucoup les couleurs. Ça me plaît aussi ça. On sent que j'ai voulu en faire plusieurs pour voir si ça marchait. Ça c'est le grand souk de la place Jama Elfna. Il y avait beaucoup de lumière là-bas, c'était très intéressant. J'adore créer avec mon ombre, je sais pas si vous savez ça. Vous savez que j'adore créer avec mon ombre? Eh ben voilà, maintenant vous le savez. Ok, je crois que ça c'était au Contax G2 et il me semble que c'est de la Portra 800 et je trouve ça très très quali. J'aime beaucoup celle-là, il y a un truc de compo, de couleur, de rouge, d'ombre qui est assez intéressant. Oh, la tagine. J'en ai mangé beaucoup, j'adore ça. Je l'aime aussi en photo, j'aime trop les couleurs. C'est simple et efficace. Ça c'est un peu moins efficace, c'est simple, hein. Mais je pense qu'il y avait un truc de panneau qui m'a fait kiffer, mais... Ah, ça c'est intéressant aussi. C'est dommage qu'il y ait le mec à gauche qui passe le balai, mais bon, on peut pas avoir tout ce qu'il faut tout le temps. Hein. Ok, c'est flou. Et c'est à l'envers surtout. C'est pour ça que j'ai la tête tournée, vous la voyez peut-être à l'endroit, mais... Ah, ça c'est intéressant. C'est dommage que le mec, il n'ait pas une couleur qui se démarque plus par rapport à ce qu'il y a derrière. Mais j'aime beaucoup les couleurs. En fait, il est de la même couleur que le stand, quoi. Le gars est un caméléon. Cet homme est un caméléon. Ok. Encore ton ombre, mec, mais... des fois, faut qu'il y ait quelque chose en plus de ton ombre, que ça soit constructif. Là, t'as essayé, mais... Oh non! Oh oui! Oui, 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 oui! Même si le mec il est flou, je la voulais comme ça. Je trouve ça intéressant. Ce serait peut-être plus intéressant si le mec était net, je sais pas. Je sais pas, mais il y a un truc, il se dégage un truc. And I think that's. Je crois que c'est la première fois que j'applaudis là, mais celle-là, je l'avais vue, la dame en haut de cette espèce de façade multicolore avec tous les trucs. Je crois qu'elle était en train d'arroser les plantes et il y a un truc, enfin. D'accord. D'accord, il y a de la couleur, il se passe quelque chose. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, ça, c'est un mec trop marquant. C'est un mec qui faisait chauffer les saunas hammam. Et en fait, il avait un... Bah, je crois que c'est plus les hammams là-bas. Mais je crois qu'il faisait chauffer ses bails. Il mettait des copeaux de bois et il y avait un feu. Il était là, il était à une porte, il nous a vu, il fait « Hey, venez voir !» Un peu, on aurait dû une quête dans le jeu de la vie. Le mec a dit « Venez par ici, je vais vous montrer mon chauffage. » Et c'était très intéressant, sauf que bah, la lumière était pas ouf. Et là, mesdames et messieurs, c'est notre arrivée à Marrakech. Je crois que c'est ce que j'ai shooté au G2. Nice. C'est plutôt sympa. Mais, je sais pas, il manque d'un truc. Je fais des photos de thé, photos de fruits, photos de théière. C'est moi qui ai fait ça. Je me demande si Tanguy m'a pas emprunté mon G2. Non, c'est moi. Je crois que c'est moi. Ah, je sais pas. C'est peut-être à Tanguy ou pas. C'est peut-être le moment où je lui ai prêté le G2. Je n'en ai aucune idée. Ah, je sais pas. Répondez dans les commentaires si vous savez. Je sais pas du tout. Ah, je pense que c'est Tanguy. Je crois que c'est celle de Tanguy. Hein. Vous voyez que ce qui est ouf avec l'Argentique, c'est que je ne me rappelle absolument pas avoir fait ces photos et j'ai un doute sur le fait de savoir si c'est moi ou si c'est pas moi. Parce que je crois que j'ai filé l'Argentique à Tanguy en pleine pellicule. Je lui dis, vas-y, tiens, kiff frérot. Et
Et voilà. Bah, on termine cette pellicule comme ça. Première pellicule, pas déçu. Il y a 2-3 petits trucs qui sont vraiment sympatoches. Les photos de la place d'Amal Fna, les photos de Casablanca au début, très très cool. Ne tardons pas plus longtemps et attaquons la suite de cette histoire. 41-91, les amis, on attaque la deuxième pellicule de cette vidéo et je vois déjà du très 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 lourd. Regardez-moi ça. Ouh loulou loulou loulou. Light leak. Light leak. C'est pas vraiment des light leaks, je pense que c'est un défaut de la cinéstyle, mais whatever, we like it, ok? Ah, ça je crois que c'est que sans le filtre, vous voyez? Comment la cinéstyle de base, elle est archi bleue. Avec le filtre, ça change tout, quoi. Oh là 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 là. Je sais pas combien j'en ai fait, mais je sais que j'en ai fait beaucoup. Putain, mais ça, c'est sous-exposé. On revient à la cinéstyle, j'ai vraiment un problème d'exposition avec. C'est dommage, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a un petit chat et il y a un petit oiseau en face. Et j'ai trouvé cette scène incroyablement stylée, mais malheureusement, bah ouais, mec. C'est dommage, c'est dommage. Faut vraiment que je laisse surex de ouf. Ou alors, faut que je la shoot à 1006 et que je la mette à dev à... Ou je la mets à plus 2 et je la shoot à 3200. Je sais pas, je sais pas. Les PGM de l'argentique, là, n'hésitez pas à me dire ce que je peux faire comme move pour essayer de bien exposer au FM2. Ou sinon, la solution, ça va être de shooter au G2, la cinéstyle, je ne sais pas. Très sympa, ça. Cette petite voiture, là, avec le chat et le reflet dans la vitre, c'est incroyable. Ça, c'est sympa aussi. C'est dommage que ça soit un peu trop sous-ex. Ça aussi, c'est sympa. Ouais, je sais pas trop. On revient, ça, c'était juste à côté de notre logement à Casablanca. Donc, vous voyez, on a fait Marrakech, Casablanca. On est revenu à Marrakech. On est reparti à Casablanca. Ça n'a aucun sens. Ouh, les couleurs des épices. Putain, j'ai mal cadré, je trouve. Mais c'est tellement beau. Regardez les rouges, comment ils sont. C'est des rouges deep, là. Oh là 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 là! Je me rappelle de cette photo, il y avait les guirlandes, j'ai attendu qu'il y ait quelqu'un qui passe avec ce gros store rouge et je trouve ça trop beau. Genre, la lumière, les petites froufrous là qui brillent. Oh, ah, trop dommage qu'il soit surex, il avait un regard avec la lumière et tout. En plus, elle était bien exposée. En fait, elle était bien, oui et non, oui et non, bien exposée. Peut-être un peu surex pour son visage, mais bon. Ouais, à côté, ça vaut pas grand-chose, vous voyez. J'ai essayé de la refaire, mais... Ah, ça un peu plus. C'est très bleu, mais c'est beau de ouf. Oh là 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 là. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, je vous parlais, il y a un bail de rouge et de bleu, mais il y a trop de rouge et de bleu dans trop de photos et... Petite voiture vintage. Mais, j'ai pas le temps de finir mes phrases parce que je scrolle les photos en même temps, je suis désolé. J'ai trop envie de découvrir. Mais ouais, il y a un truc de série de rouge et de bleu, de couleurs au Maroc. De toute façon, bah, le Maroc, c'est connu pour ses couleurs. Et c'est cool. Et après, là, du coup, c'est vraiment le moment où on va de Casablanca à Marrakech, où on est parti dans le train. C'est pas dégueu. Elle dégage un truc. Dommage. Tanguy. Lui, c'était trop notre pote pendant le voyage. On a sympathisé avec lui à fond. On galérait un peu. Petit peu à se comprendre, il parlait pas archi bien français, mais trop gentil et il nous a filé 2 oranges à la fin, on était très touchés. Ok, ça c'est très sous-exposé, c'était notre riad, c'est dommage, il y avait peut-être une idée. Ça aussi c'est sympa, j'aime juste pas trop ses fringues, avec des habits traditionnels ou un peu plus vieux, ça aurait été stylé, mais là le polo, I don't know. I don't know. Ouh, ça j'aime beaucoup. Vous avez vu les halos rouges autour de la cinéstyle, c'est... C'est incroyable. Ah, ce jeu de texture, de lumière et tout. J'aime beaucoup. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est dommage que soit la mise au point est pas bonne, soit le grain, il est trop fat et on perd en netteté de ouf. Mais sinon, intéressant. Ok, ça, c'était le mec dont je vous parlais tout à l'heure qui nous a accueillis un peu dans son petit spot, là. Et on a terminé là-dessus, voilà. C'est très intéressant, mais... Je sais pas. Je trouve j'ai un peu trop de photos où j'ai mal exposé. Après, on est parti, les amis. Il y en a d'autres qui arrivent, là. Peut-être, pour l'instant, il y en a quelques-unes qui sont vraiment intéressantes. Peut-être que la pellicule 3 va me faire changer d'avis. C'est à elle qu'appartient le destin, ou pas. La 41-92, bienvenue, et c'est parti. Oh, le petit chicken. Qu'est-ce que j'ai fait de mon film? C'est... Oh, je suis désolé, mais encore une fois... Ces petits trucs rouges là, si on pouvait me les mettre sur toute la péloche, il n'y a pas de problème. Incroyable, incroyable, je la trouve trop belle celle-là. Et après on passe à la nature. Enfin la nature, c'est un peu désert, mais c'est le moment où on a quitté Marrakech pour aller créer d'autres choses. Et ma foi,
C'est plutôt sympa. Très très sympa même. Ça change un peu de ce qu'on a vu avant. C'est un peu plus clair parce que là on n'est pas dans les petites rues, etc. Oh, ça c'est le méga souk. Putain, mais j'ai tout sur X quoi. Oh, c'est trop dommage. Trop dommage. Oh, vraiment, j'ai un souci d'expo. Voilà. Je comprends pas, pourtant je fais gaffe et tout, je prends mon temps quand je l'ai fait. Celle-là, je la trouve vraiment incroyable. Il y a un truc de composition, de couleur, de forme, très très beau. Et tous ces trucs de bois, je sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est intéressant aussi, j'aimais beaucoup cet endroit. Mais je pense pas que j'allais autant surexposer. Enfin, je sais pas si c'est surexposé, c'est peut-être bien exposé, c'est juste que je sous-expose tellement mes photos que j'ai l'impression que c'est surexposé. Aïe aïe aïe. Ça, c'est cool aussi. Mais en fait, je crois que je les préfère quand je les sous-expose. Mais il y a un délire aussi hein, quand c'est surexposé. Il y a moyen de faire une mini-série. Alors normalement, ce souk-là, c'était un des plus cools qu'on ait fait. Donc j'espère qu'il y aura... pour l'instant, c'est un peu sous-exposé. Oh, stylé. Stylé. Après, vraiment, faut pas que je me juge trop, parce que c'était une nouvelle destination, avec énormément de contraste, énormément de lumière. J'ai shooté comme pas possible. Donc voilà, faut que je sois un peu indulgent et... Ouh, j'ai tenté un truc, je pensais que c'était banger, mais non. Je me suis mis à travers un tissu, j'étais en mode, oh là, ça va être la photo du siècle. Non, pourquoi? Oh, c'est trop dommage, je viens de m'en rappeler que j'avais shooté un monsieur qui tenait sa fille dans ses bras, mais ils ont des visages et des expressions que c'est pas... Ça dégage pas grand-chose, quoi. Ça aussi, c'est trop dommage. Ah, je suis dégoûté. Celle-là, je m'en rappelais. Enfin, je l'avais oublié, mais je m'en rappelais que j'avais fait un truc et je pensais que ça allait rendre très bien. Et voilà, comme quoi. Ça, c'est beau. Oh, vous avez vu le flair, là, ce qui fait toute la photo. Et genre, cette énorme masse qui est portée par le sac qui se distingue avec le chapeau sur le côté. Ah, je préfère celle d'avant. J'ai un truc très dark. En fait, je crois que j'adore quand c'est dark comme ça. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. C'est sur-ex ou sous-ex. Oh. Ça, c'est stylé aussi. C'est marrant, le halo rouge qui se dégage autour du blanc. Mais c'est très... Oh là, c'est très mal exposé, mais c'est bien tenté. Bon, il y a des choses intéressantes là aussi, mais... Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 il y a du déchet. Faudra refaire un tri, mais il y a plein de choses qui m'intéressent et que je trouve très cool à partager là-dedans. Donc, c'est cool. Et puis, il reste surtout plein de photos, en fait, de ce moment. On est à la combien? On est à la quatrième. Ça fait 20 minutes qu'on tourne, ça fait à peu près 5 minutes par pellicule. On va encore être sur du 40 minutes. Hein. Par contre, il y a le soleil qui se pointe. J'espère que ça ne va pas surexposer mon rush. Décidément, les problèmes d'exposition, on n'a pas que sur les pellicules ici. Mesdames et messieurs, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie, car nous attaquons la cinquième pellicule, qui est la 41-93, un grand cru. Non, je déconne, je sais absolument pas. Ça se trouve, ça va être éclaté au sol. Ouais. C'est surex. Oula, le micro, il a pris sa part. Ok, est-ce qu'on serait pas encore un peu surex à tout hasard? Je crois bien que oui. D'accord. Alors, d'une scène à l'autre, je suis mais... Ah, ça, c'est intéressant. C'est dommage que les oiseaux, ils soient pas un peu plus bas. Mais il n'y a pas photo, il n'y a pas... Je comprends pas trop comment j'ai pu me débrouiller pour avoir autant de différences d'expo entre chaque truc. Oh, un petit mouton! Quel beau gosse! On avait Rodrigue dans l'épisode 1. Lui, il est BG. Il a pas trop une tête à s'appeler Rodrigue. Regardez-le, deux minutes. Il s'agit bien de Rodrigue. Ici, franchement, il a une tête à s'appeler Félicien. Voilà, c'est Félicien, le mouton. Ça se trouve, c'est une brebis. Et là, on part dans les montagnes. C'est flou. Pour l'instant, cette pellicule-là, c'est pas foufou. Hein. C'est quand même des beaux paysages, mais je trouvais que ça manquait d'un... Je sais pas... Ouh, je m'en rappelle de celle-là. Ah, elle est à l'envers. C'est bien, c'est propre, mais je sais... Ouh, voilà. En fait, j'ai l'impression que quand elle est surex, tu perds en piqué, mais puissance 10 000, quoi. Enfin, tu perds en netteté, quoi. Alors que là, là... Et normalement, celle-là... Oui. Le vintage car avec le petit light et le film, that's my shit, bro. Oh là là, c'est trop beau. Oh là, je suis trop content. Je suis trop content parce que elle, je l'ai photographiée, mais sous tous les angles, voilà, littéralement. C'est carré dans l'axe. Au bord de la route, elle était là. Elle n'attendait que nous. Nous n'avons pas hésité à la photographier et j'ai de quoi faire une petite série, quoi. J'aime trop le fait que quand il y a des endroits surex, ça bave rouge, mais faut vraiment pas que ça soit surex sur toute la photo, sinon tu perds tout ton piqué. Mais sur un petit peu comme ça, là, je trouve que ça apporte son petit...
son petit peps là. Et donc ça c'était le village où nous avons dormi, qui était mais magique, tout comme les photos que j'ai essayé de faire de Tanguy. Non je déconne, c'était claqué au sol, je suis désolé Tanguy parce que toi tu m'as fait des belles photos mais moi je n'ai pas su capter ta beauté. Oh là là, ça c'est propre aussi. Oh ah j'aime beaucoup ces graphiques. Oh Tanguy, regarde comme t'es beau. Avec cette serviette blanche là, c'est un vrai terrain de jeu. Oh là 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 là. Oh, j'aime trop les lignes là, vous voyez, il y a une ligne de drap, il y a les lignes au fond du paysage, et on dirait qu'elles se rejoignent un peu tout au même endroit quasiment. Et je trouve que ça apporte vraiment une force visuelle à l'image. On a testé des trucs, mais vraiment, la cinétile, va falloir que je progresse parce que je fais un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Autant comme au Portugal, je trouvais que ça allait. Là, il y a vraiment des choses à côté desquelles je suis passé et ça me fait un peu mal au cœur. Voilà, je vous le dis. Pour faire référence à la voiture vintage, par exemple, je sais pas si vous avez vu comment elle était carrée, mais voilà, là, on a su représenter. On attaque la 5e pellicule. Il nous en reste 4, mais c'est incroyable. J'ai eu tellement de photos là en 2 vidéos. Faut faire ça plus souvent. Par contre, mon ordi est lent. C'est la 4194, messieurs, dames. Et que se passe-t-il? Je crois que c'était dans le train ou pas. C'est très... Ok, d'accord. Là, on parle. Là, c'est intéressant. C'était le lendemain, il y avait du soleil. Voilà, pour vous donner une idée du lieu dans lequel on a dormi. On a vraiment dormi dans une chambre, genre l'étage juste en dessous. Et voilà, c'était la vue de ce qu'on avait. Et c'était très beau. Et nous retournons au souk, les amis. Le 18e souk que j'ai photographié. Mais c'était pas évident à photographier parce qu'il y avait tellement de gens. Il y avait tellement de lumière. Il y avait tellement de choses. En plus, l'expo avec les forts contrastes. Genre, c'était vraiment, mais pas évident du tout. Et au Oh, wow, 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 wow. Je crois que j'ai attendu je sais pas combien de temps à cet endroit-là pour faire ma photo. Et ça, c'est stylé. Un peu sous-ex, mais bon, c'était très dur à exposer comme scène. En fait, ouais, peut-être que je shoot au light meter ou je sais pas, au contact. Peut-être le contact, vu qu'il fait l'expo auto, il n'y aurait pas de problème, tu vois. Ça, c'est beau, j'aime bien. Ce côté de texture, là, avec les toiles en fond qui viennent meubler et tout. Ouh, les couleurs. Je sais qu'elle est sous-exposée et que c'est pas les couleurs, enfin c'est pas les couleurs optimales de la cinéstyle, etc. Mais regardez-moi le bleu du ciel qui match avec le bleu des bâches, ce jaune-orange là avec ce... Ah ! J'adore. Genre vraiment, je suis trop content. Celle-là, je kiffe de ouf. Ça aussi, c'est beau. Mais les rouges de la cinéstyle. J'ai déjà dit 15 000 fois dans cette vidéo. Mais les rouges, je pense qu'ils méritent plus d'attention. Je sais pas, en fait, faudrait que je fasse des tests vraiment pour savoir les différences de diaph. Mais vous voyez, là, entre deux films, j'ai dû changer genre un micro-réglage et bah... C'est pas... Quoi? C'est pas possible, c'est pas la même pellicule ou vraiment... Oh, en fait, je pense qu'il doit y avoir un... Genre, un cap où la cinétique, si tu l'exposes trop, bah genre... Pff, toutes les couleurs, elles sont en mode... Au revoir! Aïe, 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 dommage. On a mangé... Les amis, on a mangé dans le souk, on a mangé, ça c'était un restaurant. Voilà. On a mangé des petites brochettes avec Tanguy, c'était très bon. On a peut-être une story. Oh, dommage. Oh, trop dommage. Mais en vrai, elle est pas mal non plus, mais c'est dommage qu'on voit pas un peu plus le mec qui boit son café au premier plan. En plus, il y a le gamin qui nous regarde au loin. Aïe, 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 aïe. Putain, j'espère que j'ai pas tout surex comme ça. J'ai avoir trop le seum, si vraiment, cet endroit-là, c'était trop graphique, il y a eu des images, genre... J'ai mal à mon film. Non. Vous me voyez quand je suis heureux. Vous me voyez souffrir aussi. C'est ça de découvrir les scans. En vrai, c'est beau, mais voyez, moi, je trouve ça manque de... Manque d'un petit piqué, quoi. On sait pas où aller avec l'œil, tellement c'est tout et tout doux. Il nous reste 3 pellicules, les amis, et on est de retour à Marrakech, à Skip. Il y a vraiment eu aucun sens dans cette vidéo. On a fait de tout. 41,95. C'est beau, mais c'est très pastel, quoi. J'aime quand les couleurs, elles sont plus pétantes, moi. Ouh ! Alors là, mesdames et messieurs, il se passait un truc de ouf. J'ai littéralement eu une dame à droite qui a pop et qui attège un seau d'eau. Je sais pas si c'est cette photo-là ou pas. Ouah ! Ouah ! Oh, le délire ! Une chance sur combien que ça m'arrive, ça. Eh bien, genre, j'étais là, pile au moment, j'attendais. La meuf, elle sort, elle... Après, je sais pas si on voit bien. C'est dommage que j'ai pas... Si j'avais pu prévoir mon coup, bah, j'aurais cadré un peu plus la dame. Mais vraiment, c'était de l'imprévu total. Et l'eau, avec l'ombre et tout, et la texture et le soleil qui tape dessus, on a même un petit light click qui vient pop.
C'est intéressant aussi. Oh là, les lignes, les ombres, l'attitude du chien, la texture sur la voiture de la housse. Oh, vraiment, ça c'est... Ça me fait penser à celle du chat de la première vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y a peut-être moyen de faire un petit diptyque, voilà. What? Il y a que des animaux qui marchent en mode solo dans cette série. C'est trop stylé. À côté, il y a... Oh. Alors, petite anecdote. Ce mec-là, je l'avais repéré de loin. Je me dis, mais incroyable cet outfit. Il faut que je le photographie en train de déambuler dans cet endroit. Du coup, j'ai essayé de le contourner et de l'attendre pour qu'il retourne à l'endroit que je vous montrais tout à l'heure où la dame, elle a drop de l'eau, là. Là. Lui, je me disais, mais imagine, il passe dans la lumière. Là, mec, là, tu touches quelque chose. Là, tu touches quelque chose. Et du coup, j'ai fait le tour et je suis revenu là et il n'est pas passé. Voilà. Mais il y avait quoi? Il y avait peut-être 400 mètres, 300 mètres d'écart entre ces deux endroits. Et puis, c'est plein de petites rues dans les petites villes comme ça. Du coup, je comprends que, bah voilà, le mec, il soit pas passé. Mais bon, c'est pas grave. On aura d'autres images cool. Oh, sympathique. J'aime beaucoup. Waouh, les couleurs. C'est trop beau. Alors ça, là. Oh, le beau gosse. Oh, là, beau gosse. Radet. Regarde ça, comme un qui est beau, lui. On parlait comme ça, là-bas. C'était notre petit délire, voilà. Et après, on allait s'isoler dans la campagne avant de rentrer. Et je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Wow. Les sunsets à la Cinéstyle. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est si beau, c'est archi doux, le grain, s'il vous plaît. Oh, j'adore, c'est trop simple, mais c'est trop beau. Waouh. Non, je déconne, ça, c'est pas beau. Ça, je crois que j'ai essayé de la faire par la fenêtre en arrivant à Marrakech parce que je trouvais ça fun. Et là, les amis, là, on va parler. Là, on a fait The Spot à shooter à l'argentique, qui est le jardin Majorelle. Et regarde, alors d'abord, la première était mieux, celle-là un peu moins bien. Mais j'ai essayé de shooter de ces trucs. Oh, c'est beau. C'est sympa. Je trouve que la photo macro à l'argentique... Oh là 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 là. Enfin, pas de la photo macro, mais quand t'as des sujets très serrés. Il y avait de ces plantes là-bas. Je ne savais plus où donner de la tête. Je ne savais plus. Oh, mais regardez-moi ce cactus avec encore une fois les rouges de la Cinéstyle. Putain, mais ça doit être surex. Il y a le soleil qui me tape dessus, là. Oh là là, on peut pas tourner tranquille ici. Là, normalement, on est bon, mais le soleil, il va se rebarrer dans 2 secondes, on va être sous ex, voilà. Vous ne facilitez pas la tâche, là. L'exposition dans ma vie, c'est un problème. Oh là là, les textures. Il y a moyen de faire une petite série de cactus du jardin Majorelle. Cet endroit, je vous jure, si vous allez à Marrakech, essayez d'y aller quand il n'y a pas trop de monde et faites-vous kiffer. Parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à shooter. Et le soleil qui revient. Quand on a besoin de toi sur les films, t'es pas là. Par contre, quand je tourne une vidéo pour surex tout, il n'y a pas de problème, hein. Ah super, génial. Il nous reste 2 pellicules. 2 pellicules. Après, il me reste des moyens formats. J'en ai fait 2. Tanguy, il m'a prêté son Mamiya 6-4-5, mais je pense que je vais les garder pour moi. Vous m'en voudrez pas. Il y en aura dans les prochaines vidéos de l'argentique. Enfin, du moyen format, quoi. Avant dernière pellicule, 41-96, je viens d'entrevoir les premières images. Il y a du light leak. Attendez. Jardin Majorelle, ultra graphique, beaucoup de bleu, avec un gros défaut jaune comme ça. Sur une photo, ça serait incroyable, un peu moins exposé. Oh là là, pourquoi il est pas net, le pot? Il est surexposé. En fait, je me demande si les grains de la Cinéstyle ne bavent pas quand ils ont trop de lumière. Ce qui serait peut-être possible, je n'y connais pas assez. Oh là 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 là. Non mais regardez l'endroit, quoi. Oh, cette plante. Je sais que tout le monde va au Jardin Majorelle faire des photos, mais voilà, juste pour les yeux, c'est un plaisir, en fait. Faut y aller. Super, la mise au point, Jonathan Bertin. Oh là là, mais quelle maison. C'est si... Oh là 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 là. Oh, j'ai tellement d'images, là, entre le Portugal, la Norvège, le Maroc, les trucs que je fais à Paris, je suis refait, je suis tellement heureux. J'ai l'impression de voir... le travail que j'ai fait pendant le Covid se concrétiser à l'étranger, même s'il y a des trucs qui sont pas forcément bons. Mais juste de voir des belles photos qui me font plaisir, dans lesquelles je me retrouve et qui me font énormément kiffer, ça me fait tellement de bien, je suis refait. Coucou Tanguy, t'as l'air bien heureux. Oh, marrant. Ah, dommage. Ah, les couleurs quand même. Je suis désolé, mais la Cinéstyle va vraiment falloir que j'arrive à bien l'expo. Oh là 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 là. C'est parfait, là, la moto, le mec, il descend son store, sa tête, on voit sa petite épicerie, là.
Oh là là, il y a quand même des trucs cool. Hein. Celle-là, c'est dommage, elle est un peu sous ex. Et je me rappelle, après que j'ai pris en photo, le mec, il a pété un câble, alors que en vrai, c'était juste sa nuque entre deux gros morceaux de viande qui pendent. Et moi, je me suis barré en mode... Ciao, bye bye. J'ai un problème avec la lumière et les couleurs, les amis, les ombres. À partir du moment où il y a des ombres, de la lumière, des couleurs, c'est vraiment... On me perd. Je suis un client de ce genre de choses. C'est sympa, mais c'est pas... Bon, il y a quand même quelques bonnes grosses pépites dans cette pellicule. Désolé, je passe peut-être un peu vite. Mais d'un côté, on va déjà à une vidéo de 40 minutes, donc il nous reste encore une pellicule. Beaucoup de choses à découvrir dans ces bobines. Enfin, je les regarde après parce que je les vois tellement en même temps j'anime et tout que je me rends pas compte de ce que j'ai en fait réellement. Et c'est assez ouf comme sensation. C'est la dernière pellicule, la 41-97. La France croit en elle. Est-ce qu'on termine sur une bonne note? Là, il n'y aura pas d'autres pellicules pour sauver comme dans la dernière vidéo. Si c'est de la merde, c'est de la merde. On termine sur de la merde. Suis-je bien clair? On dirait pas que c'est de la ciné-style. Qu'est-ce que... Ah! Je crois que j'ai shooté de la gold, mais avec le filtre de 85B. Mais genre, les 4 premières photos, je crois. Et je me suis dit, mais mec, t'es débile. Effectivement, je le suis. Après, le rendu, on aime ou on n'aime pas, quoi. C'est dommage parce que il y avait des photos qui avaient l'air cool. J'espère que j'en ai pas fait. Voilà, là, je l'ai retiré. Et là, ça va mieux. Oh, 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 la composition! C'est beau, c'est beau. Ça, c'était notre dernier moment à Marrakech, je crois. Ah, dommage. Oh, elle est trop stylée. J'ai des photos trop stylées de Tanguy, en vrai. Je suis trop content. Faut que je lui envoie. Il y a quand même moins de soucis d'exposition. Hein. Pourtant, j'étais avec le FM2, je crois. Oh, c'est stylé, ça. Oh, l'ambiance entre le vert, là, et le sunset dehors. Pouah. Est-ce que après ça, on va terminer la pellicule de Marrakech? Ah ouais, après, je pense qu'on va arriver à Paris. Bon, bah, voilà. C'était les dernières photos de Marrakech. Ah si, j'ai essayé d'en faire par... Oh, stylé. Je vois, c'est la première fois que je fais des photos un peu par l'avion à l'argentique et... Oh! Ah, il y a un petit mood, hein. C'est dommage, c'était un peu flou. Oh, regardez Tanguy qui dort avec la golden light, là. Beau gosse. Stylé, en vrai. Je trouve que c'est des belles textures. Et nous revoilà à Paris. Est-ce qu'on a des petites pépites? Je me rappelle, il m'avait gueulé dessus. Aïe, 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 ça donne envie d'aller faire des photos à Paris. J'adore. Là, je crois que j'ai dû terminer la pellicule. Et j'ai fait un peu nimp. Voilà, que dire. C'est toujours autant de kiff de découvrir tout ça avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié les photos. Je suis désolé si vraiment il y a des photos que vous aimez, que j'aime pas, ou ce genre de choses, etc. Mais c'est vraiment personnel, là. J'ai vraiment... Je vous emmène dans mon intimité de ouf en termes de photographie. Donc, je vous prie de respecter... Ça, j'ai vu des gens sous la dernière vidéo qui m'ont dit qu'ils trouvaient que les photos, elles étaient nulles comparées à ce que je peux faire d'habitude. C'est normal, en fait, parce que vous voyez tout, il y a les bruts, les originaux, il n'y a pas de sélection. C'est logique, en fait. Ça s'appelle l'apprentissage. Et merci à tous pour votre bienveillance. Et j'espère pouvoir vous reproposer ce format assez rapidement, même si je vous avoue que c'est très, très intime et j'aimerais bien garder un peu d'image pour moi. En tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour un max de photos, sur Twitter aussi. Twitter sous-côté pour les photographes, je découvre plein de photographes de ouf, donc venez sur Twitter, on se fait des petits tweets comme ça, là, entre potes, et voilà, mais c'est vraiment venez, et voilà, abonnez-vous à la chaîne aussi, ça peut être pas mal. C'était Jonath, vous fait découvrir les photos du Maroc, en argentique. Je me pose la question, vous me dites, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un débrief de notre voyage au Maroc et des photos qu'on a fait avec Tanguy, avec qui je suis parti, qui lui aussi a shooté beaucoup de films. Je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir tout le processus de comment on se balade, comment on shoot dans la rue, comment on emmène nos pellicules, vraiment faire un truc global et avoir un retour sur nos images finales, ce qu'on a vraiment aimé, ce qu'on a réussi à déceler, parce qu'en fait là on a toute une masse d'images et il faut réussir à dégager du sens de tout ça, à réunir pour faire des séries, les choses qui vont ensemble, etc. Et je pense que ça peut être super intéressant de vous proposer un format comme ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous chauffe. En tous les cas, ce sera un grand plaisir de vous parler du voyage au Maroc plus en détail, puisque là, au final, on s'est plus basé sur les photos. Je voulais vite faire raconter. Mais voilà, il y a plein d'autres choses à dire. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez kiffé la vidéo, les photos. Je vous remercie du fond du cœur de me suivre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jonath. Ciao.